Bonjour, je suis Amélie de votre équipe de soutien Flash. Aujourd'hui, nous discuterons du déballage de votre modem et de la configuration de votre service Internet par câble Flash. Selon le modem que vous recevez, à l'ouverture de la boîte, vous trouverez un guide d'installation rapide, un câble Ethernet, un adapteur de courant et le modem de câble. Prenez le temps de vous assurer que vous avez tous les articles mentionnés sur l'emballage. Maintenant, vous êtes prêt à commencer le processus de configuration. Commencez par déterminer quelle prise de câble vous souhaitez utiliser pour la configuration de votre modem câble. Puis assurez-vous qu'il y a également une prise de courant pour pouvoir allumer le modem ultérieurement. Maintenant, connectez votre câble coaxial à la prise de câble et son autre extrémité dans l'entrée coaxiale à l'arrière du modem. Prenez le câble Ethernet et connectez-le au port Ethernet situé à l'arrière du modem. Mettez votre modem sous tension pour l'allumer et attendez environ 2 minutes pour la connexion se synchronise. Maintenant, vous avez le choix. Si vous souhaitez connecter un seul appareil, par exemple un ordinateur portable, vous pouvez brancher le câble Ethernet directement dans l'appareil. Si vous prévoyez vous connecter à l'Internet à partir de plusieurs appareils, vous pouvez brancher le câble Ethernet à votre routeur. Pour ce faire, prenez simplement l'autre extrémité du câble Ethernet et connectez-le au port WAN de votre routeur. La plupart des routeurs indiquent le port WAN par un code de couleur ou en inscrivant directement WAN. Maintenant que votre routeur est connecté, vous pouvez commencer à ajouter des appareils à votre réseau sans fil. Si ce n'est pas déjà le cas, n'oubliez pas de regarder notre vidéo sur la sécurité des réseaux sans fil et des routeurs. Cela vous aidera à protéger votre connexion contre les utilisateurs indésirables. Si vous éprouvez des problèmes ou avez besoin d'aide avec le branchement de votre modem ou votre connexion Internet, visitez la page myflashservices.com/support.